Chers amis, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte. Si le salaire de Jeune Bamanabio, le chef de territoire, est de 130 000 francs CFA, comment il a fait pour construire tant de maisons? Donc, Moyibi, c'est du vol, l'escroquerie, la mafia bien organisée. Ça, c'est des gens qu'il faut arrêter, porter devant un avocat pour qu'on puisse ravir toutes ces maisons-là. Ça, c'est des gens qu'il faut arrêter, mettre en prison. Ça, c'est des gens qu'il faut présenter devant un juge. Qu'on nous dise où est Tatabi Mokono, qu'est-ce qui s'est passé avec le major Malonga à Dolisie là-bas? 19 millions 600 francs CFA qui étaient alloués pour la toiture de Lousala, le poste de Lousala. Ngouba, le chef et son clan, la mafia. 19 millions aussi pour le poste de Lissanga dont les murs sont à terre aujourd'hui. Et Jeune Bamanabio, chef de territoire, porte la lourde responsabilité dans ces histoires-là parce que c'est lui le chef du clan, c'est lui le chef de la mafia. Gli amici del capo. Gli amici del capo, les amis du chef, c'est-à-dire ceux qui sont autour du chef, mangent avec le chef. Et le mafia, la mafia plutôt, c'est le chef qui organise toute cette mafia-là. Et vous voulez qu'on vienne applaudir, vous voulez qu'on chante des louanges et les effigies sont dans des drapeaux, dans des banderoles. Lorsque vous entendez qu'il y a le chef de territoire qui arrive dans un poste, restez chez vous. Lorsque vous entendez que Awiyanganga arrive dans un poste, restez chez vous. Lorsque vous entendez que c'est Akabakou qui vient dans tel poste, restez chez vous. C'est le tabac de la même cigarette. Vous savez comment on appelle maintenant Awiyanganga Brazzaville? Le très spécial. Le très spécial Awiyanganga. Le conseiller le très spécial Awiyanganga. C'est son nouveau nom dans Brazzaville. Mais si Aouyanganga avait bien travaillé au Mali, il ne serait pas à Brazzaville. Si Aouyanganga avait bien travaillé au Mali, il ne serait pas à Brazzaville. Il serait affecté dans un autre pays étranger. Pourquoi il a été mis à la disposition de Brazzaville? Aujourd'hui, à Brazzaville, on paye le conseiller spécial. Le conseiller spécial, très spécial même. Du chef de l'État et Jeune Bamanabio. L'organisation syndicale de la mafia locale de l'armée du salut. Chers amis, quelle honte, quel niveau avons-nous atteint de bouzoberie? Quel niveau avons-nous atteint? Soki Boyoki, le chef de territoire, arrive dans un tel poste. Restez chez vous. Puisqu'il repartira avec vos enveloppes à vous. Si vous entendez le Akabakou arrive dans tel poste, restez chez vous. Si vous entendez Aouyanganga arrive dans tel poste, je ne sais pas pourquoi, restez chez vous. Mais ce n'est pas 200 francs, ce n'est pas 1000 francs, c'est pas 19 millions pour une toiture. Faites au moins semblant. Faites au moins semblant de faire un geste. 19 millions 600 pour le poste de Lousala. Faites au moins semblant. Ngouba. Mi vina des voleurs. Des voleurs. Écoutez bien, les amis. Aouyanganga propose à son chef de la mafia qu'on puisse annuler. Les 5 mois d'arriéré de salaire des divisionnaires, est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on se réveille bien? Est-ce qu'on est bien dans sa peau? Aouyanganga dit au chef de territoire, non, moi je l'ai fait au Mali, on peut aussi annuler les 5 mois d'arriéré des divisionnaires. Mais Aouyanganga, s'il avait bien travaillé au Mali jusqu'à aujourd'hui, il serait encore là ou encore affecté dans un autre pays étranger.
puisqu'il a été mis à la disposition de Brazzaville. Donc, il y a problème là-bas. Maintenant, on ira aller fouiller. On ira fouiller là-bas au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le conseiller très spécial de Jeune Bamanabe. Mais s'il avait bien travaillé au Mali, il ne serait pas mis à la disposition de Brazzaville. Ce mot, écoutez, chers amis, il faut bien comprendre le mot. Mettre à disposition de Brazzaville. C'est comme si, Yosa Moissi Alibala, là, vous êtes marié avec ton homme et qu'aujourd'hui, qu'on te renvoie, qu'on dit, va chez tes parents. C'est ça que ça veut dire. Parce que tu as fauté, le mari ne veut plus de toi et on te met à la disposition des parents. Et les officiers qui sont punis qu'on met à la disposition des parents, à la disposition des parents. Aouyanganga a été mis à la disposition de Brazzaville. Ce que là-bas, dégâts sur dégâts. Et il propose à son chef d'annuler les 5 mois d'arriéré des salaires des divisionnaires. De qui moque-t-on? On se moque de qui? On se moque de qui? La vraie question qu'il faut se poser, c'est celle-là. De qui se moque-t-on? Aouyanganga propose à son chef qu'on puisse annuler les 5 mois d'arriéré de salaire des divisionnaires. De qui se moque-t-on? C'est vraiment terrible. Chers amis, je suis en train d'insister sur certaines choses parce que vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas venus pour l'armée de salut. Ils n'étaient pas prêts pour devenir les officiers de l'armée de salut. Je vous dis sincèrement, les amis, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts de devenir officiers de l'armée de salut. La Bible est passée au second plan. La Bible est passée au second plan. Vous avez vu la confusion dans la prédication du chef de territoire, confusion dans sa bouche quand il a prêché le jour où ils ont présenté à Ouyanganga, où toute la clique venait s'agenouiller devant Ouyanganga. Le jour où il y avait des cadets au plateau de 15 là-bas. Personne n'avait retenu ce que le chef de territoire avait comme prédication. Confusion. Donc la Bible est passée au second plan. Mbongo, Manganga. Donc, le major Aouyanganga propose à son chef de territoire, le chef de la mafia locale, de l'armée du salut, qu'on puisse annuler les arriérés de salaire des divisionnaires. Maintenant, s'ils veulent annuler les arriérés de salaire des divisionnaires, mais les retraités, vous allez faire quoi? Ceux qui n'ont pas leur solde, les officiers, ils vont faire quoi? Ça, c'est la dictature. Ça, c'est la dictature. Chers amis fidèles, Boyo Kanga, bien écoutez bien. Lorsque vous entendez ce clic de voyous-là de QG à Brazzaville, ou un certain membre, que ce soit les Biampamba, les Mourani, oh, ils vont venir dans les postes. Restez chez vous. Restez chez vous. Ils vous emmènent rien. Ils vous donnent rien. Je vous ai donné l'exemple du chef de territoire de Jeune Bamanabio. Il est originaire du poste de Mfilou. Qu'est-ce qu'il a déjà fait là-bas? Rien. 0 fois 0 est égal à 0. Donc, quand il vient dans les postes, c'est pourquoi? C'est pour venir chercher les enveloppes. Donc, si vous entendez, je sais que vous m'écoutez, certains d'entre vous commencent à se réveiller. Si vous entendez que le chef de territoire va aller à poste de machin, le chef de territoire va aller au poste de machin. Restez chez vous, que leurs fidèles à eux, leurs fanatiques, viennent les accueillir dans des postes. Vous qui souffrez, vous qui n'avez rien à manger, vous qui n'avez pas les sous, restez chez vous. Vous vous rendez compte? Les murs tombent d'un poste bâti dans des efforts comme ça. 19 millions depuis 2019. Que Londres avait envoyé des sous. Ils ont bouffé. Pareil au poste de Lousala. Je vous ramène les chiffres. Parce que je suis bien informé. Et des gens comme ça vous méritent même l'enfer en direct. Finalement, il y a certaines choses qu'on avait décidé avec les amis de ne pas faire. On va le faire. On va finalement
passer à la télé, à DRTV. Maintenant, là, je pense que le degré est atteint, là. Le degré est atteint. DRTV, on va organiser une émission. Ça, c'est une décision à partir d'aujourd'hui. L'émission doit passer. Et personne ne viendra encore intervenir concernant cette émission-là, parce que nous avons eu des appels. Non, ne faites pas ça, sinon tout le Congo, surtout Brazzaville, va être informé. Brazzaville doit être informé. Cette fois-ci, c'est bon. Mais vous êtes des voyous. 19 millions, mais ce n'est pas 2000 qui étaient alloués pour la finition du poste de Lissanga à Dolisie là-bas. Les murs ne seraient pas tombés. Le chef de la mafia et son clan, Nguba. Pareil pour le poste de Lousala. Nguba! Moi, ça ne m'étonne pas que vous voyez les maisons qu'ils sont en train de construire. C'est du vol. Mivi, miyibi. Si vous entendez que Aouyanganga va arriver dans tel poste. J'ai appris même qu'Aouyanganga va aller à Pointe-Noire là pour la retraite d'un officier là. Il n'a pas le droit, lui, Aouyanganga, d'aller faire asseoir quelqu'un qui va aller à la retraite. Ça revient au chef du personnel qui est le colonel Lobaki. Puisque Kimbiri, ça va dans tous les sens. Lui n'a pas le droit là. Chers amis à Pointe-Noire, vous êtes informés, il va venir à Pointe-Noire. N'allez pas, n'allez pas, n'allez pas.